dans une chorégraphie inédite, ce que nous apprécions. Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, première mesure que vous avez bien sûr reconnue, bande originale du film Titanic. Cette musique de James Horner, donc bande originale du film Titanic de James Cameron, cette musique de Horner, disais-je, a été souvent entendue, c'est clair, mais on ne se lasse pas de l'écouter. Sachez que ce qu'on vient d'entendre est en fait la chanson la plus vendue de toute l'histoire du disque. Non, je ne savais vous le saviez, pas, cher Annick, absolument. Non, je ne savais pas. Cette chanson est la chanson la plus vendue de toute l'histoire de la musique. Sarah et Stéphane, eh bien mon Dieu, 4 ans après, je crois que c'est 4 ans après, la reprennent. Et c'est assez curieux parce que nous disions programme inédit qu'elle n'a pas souvent été utilisée en fait en matière de patinage. La version non chantée a été beaucoup utilisée dans des programmes de compétition, ce qui fait que beaucoup de gens ont hésité à la reprendre. Nous l'avons quand même beaucoup entendue. La version non chantée, oui, mais avec les paroles c'est... Non, très peu. Se ralentit sur un son d'une amplitude incroyable et les portées, toujours aussi beaux, qui mettent bien en valeur la puissance de Stéphane. Et ça, c'est cette fameuse figure, Annick, qui vous fait si peur. C'est vrai qu'il faut. Oui, il faut avouer que regardez là. Certaines confiances. Il y a pas beaucoup de centimètres entre la tête de Sarah et la glace.